Congoli Panda. Oh, Congoli Panda. Congoli Panda. Azuli kanisi ya malamu puna kusepelisa Panambuka Kongo Kongo Lipanda Asali Libango Kongo Lipanda Paninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Lipanda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie pendant 40 minutes. Aujourd'hui, nous avons le privilège, Yaruya Mamosa Lianzambe, il s'appelle le pasteur Jétro. Ensemble avec lui, nous allons discuter sur la Pâque, sur l'évolution spirituelle de l'Église d'aujourd'hui. Beaucoup de questions par rapport à l'émission Tosalaki Otoyambaki, pasteur Kass. Est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce que la Bible interdit à la femme de prêcher pour ou contre la polygamie aujourd'hui au sein de l'Église? Beaucoup de questions. Sur le plan spirituel, na katia Église, na katia marche Église. Donc tout n'est pas serviteur de Dieu au Tosané Lelo. Ce besoin d'un abus au les réseaux sociaux, Congo Lipanda Ezali, Congo News Ezali, émission peso les canaux internet, yango anamena Kinshasa, tout est diffusé na chaîne de télévision Wapicom et puis RTMV et pas Archibishop Coutinho Fernando. Wapicom et pas boss Pichuanzila, émission Point de Vie Angoyo, émission Abino Peuple, émission en vérité, 40 minutes, Yambi, pasteur Jétro, shalom. Shalom, bien-aimé Billy. Tout le plaisir est pour nous, Yaroya et Susulelo. Ouais. Il a changé vraiment cadre, Yaroya, Tokutana, par rapport à Makambo et telle spiritualité. Ouais. D'abord, bonne santé et puis santé Église. Non, santé ça très très bien, par la grâce de Dieu, Église Pekitoko, nous beaucoup de biso. Donc, continue Moussala. Depuis l'année Bandi, c'est ma première fois. Na passé na dans une émission donc yo par rapport à recommandation ça m'a passé biso les allez que tout travail sur le plan interne trois premiers mois na yane oyo nous avons bien pris soin ya okokisa o nzamba lobaki maintenant que tout ça ba préparatif ya ma activité minene ne to lingi sikoyo sur recommandation toujours nzamba et toi paraître pe na grand public ba mon na pe ba yoka ni nzamba chekati na biso. Vraiment, on va parler de ça. Pasteur Totiko célébrer et puis fêter la Pâque. Ouais. En résumé, Elo Nino Golo Banaban Nzambe Lelo va comprendre par rapport à la fête ou la Pâque. D'abord, on a lingi très rapidement, na balayé, erreur mon batbaka. Batebele, barantake Pâque, et ça fête y'a chrétien, te, y'a bongote, et ça ignorance. Pâque, et ça fête y'a juif. Dans la Bible, bien. Pâque mout institué à Moïse, l'ancienne alliance. Donc, Pâque est commémoration. Tout le rappel, il y a mort, il y a agneau en Égypte. Donc, agneau à Koufara en Égypte. Donc, il y a des gens qui ont célébré chaque année. Donc, Israël, physique, il y a célébré mort, il y a agneau physique. Israël, il y a célébré mort à Jésus. L'ancien testament. L'ancienne alliance. Oui, l'ancienne alliance. Oui, il y a célébré mort, il y a agneau à Koufara en Égypte. Oui. Malheureusement, la Bible est telle, dans le livre hébreu, qu'en réalité, agneau on a appelé ça une liberté. Parce que ceux qui agneau on a appelé ça une liberté, nous avons dit que nous avons une liberté. C'est-à-dire, agneau on a appelé ça une ombre, véritable agneau de Jésus. Alors, tant que Jésus-Christ a été, Jésus avant Koufa, il est a célébré Pâques. Dernier Pâques, Jésus a célébré avec ses disciples, Kounande, Jida, Alia qui n'est ensemble, peu à qui côté caille. C'est-à-dire, Pâques, le rôle appelé Pentecôte, le rôle la prémisse, le rôle. Ah, t'as fait ta Pentecôte, bah, c'est la fête à Pentecôte. Et a fait ancienne alliance. C'est quoi, et Zande, Moukolo, y a fait ta Pentecôte, n'est mon livre, mon sang de Kitaï. Donc, n'est-ce pas, Pâques, au Batébé, il va célébrer, il faut savoir quel Pâques va célébrer. Alors, Jésus t'a envoyé, Jésus a koufi, a sécoui, par la révélation, nous avons compris que agneau a koufara en Égypte. Pour Batouba Biman en Égypte, en réalité, l'Égypte représente le monde selon Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 3. L'Égypte représente le monde. Christ n'a pas agneau, selon Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 4. Jésus a agneau, n'a koufaki pour Bissoto Biman en monde. C'est que Bissolelo,
ce qui t'ozo célébrer, t'ozo kanisa. Liwa ya Yesu na résurrection Yesu tobimi na mbono. Voilà pourquoi nous n'avons plus besoin d'une date quelconque. Nous n'avons plus besoin d'anniversaire quelconque parce que chaque fois que to sangana to kanisa ka liwa pe lise kwa Yesu. Donc chaque culte pona tina na bana ya Nzambe ya Pâques parce que to kanisa liwa pe lise kwa Yesu. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens Christ notre Pâques a été immolé, célébrons la fête. Donc il y a biso bana ya Nzambe lelo eza sute ko zela mois d'avril te. Donc net to une église boyé qu'il t'a lelo eza ki Pâques. Chaque fois que to sangana parce que Pâques ya nini lipa na vino. Or, le pain aujourd'hui, ce sont les écritures. Le vin, c'est l'esprit, l'explication. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une écriture, une explication. C'est la Pâque. Donc, tu en as besoin de tout. C'est la compréhension, l'homme de Dieu. C'est comme si ils auraient vraiment mis toi. Oui, tu es bien, on a fait à Pâques. Tu as oui. Fait à Pâques, on va célébrer en avril. On a une ancienne alliance. Mais ce qu'on a dit, c'est que les chrétiens ont coûté le lot. À comprendre nini par rapport à Pâques. À comprendre que ceux qui ont célébré la fête, il y a Pâques, il y a avril. C'est que au célébrant on n'engue pas Yuda va célébrer en haut, bah Yuda va célébrer en haut bon bah bicarate, parce qu'on célébrera en haut chaque année. L'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Qui est zoyé? À côté bon bah on célébrera mais bah bicarate. Jésus pas célébrera pas. Jésus pas célébrera parce que Jésus est né dans l'ancienne alliance. Bibi, il est né sous la loi. Donc bon t'as mis à Mobeko, mais il a mis fin à la loi. Donc il est Aza Aurore. Oui bien Aurore est à la ga. Fin à nuit, début à matin. Donc t'as Jésus atteint Aurore. C'est que moi mon lilé zala qui moi lumière peut bandi. Tant au Saint-Esprit, il y a des lumières pendant solo solo. Donc, on va célébrer Pâques à la manière des Juifs. Salut les athées. Salut les andés dans la commémoration à Pâques dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est chaque fois que tu es au Sangana. Il y a un peu de solo bas que. Ce qui va te faire Sangani et que l'idée est athée, interprétation est athée, vie est athée. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui la Bible est bien interprétée, l'homme de Dieu? Non, mais la Bible est bien interprétée là où il y a le ministère de la parole. Et puis, aujourd'hui, les gens comprennent mal qu'est-ce qu'est le ministère. Les gens pensent qu'avoir une grosse voix, c'est ça être ministre. Je suis un homme de Dieu. Avoir un gros ventre, avoir des tubes. La voix qui peut perdre de quoi avoir des tubes, aux chrétiens, avoir de l'argent, avoir une chaîne de télévision. Et ça m'a bêté, ça bien. Mais ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est la capacité que le Seigneur donne à une personne d'expliquer les Écritures. C'est la voix de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, nous avons vu les candidats de roi Moïse, au commencement, il a créé le ciel et la terre. Mais quand il nous dit qu'au commencement, il a créé le ciel et la terre, nous sommes convaincus que Dieu avait créé le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que c'est un ministre qui a parlé. Donc, un ministre de Dieu, c'est lui qui vient avec la révélation de Dieu. Il vient avec la pensée de Dieu. Dieu dit dans son cœur, je ne détruirai pas le monde. Moïse a eu qui? Parce que Dieu dit dans son cœur. A combien on dit dans son cœur. Donc un ministre de Dieu, c'est lui qui sait écouter les noms dits de Dieu, expliquer même les mouvements, les gestes de Dieu. Jésus regarda derrière, ministre de Dieu a compris, expliquer. Qu'est-ce qu'il veut dire, regarda derrière. Jésus sortit et dit, ministre a expliqué. Jésus monta dans la barque, ministre a expliqué. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de dire les courroies de ses chaussures. Ministre de Dieu, il a la capacité, il y a autant à l'écriture, il y a une explication. Il y a le baraboué. Français, il y a autant de côté à tout là. Vous savez, Dieu, Jésus-Christ est puissant. Et bon, il y a un autre délitaire. Mon nom à casse, il y a un autre délitaire. Bon, moi, ils en ont quatre. Les écritures et l'interprétation, l'explication véritable des écritures. Qui peut interpréter un ministre qui a reçu mandat? Comment reconnaître un ministre qui a reçu mandat s'il a la capacité de donner les écritures et l'explication véritable? Merci. Est-ce que le ministère est vendu dans ministère. Moi, beaucoup est ministère, le Zani. Le ministère, c'est la capacité, j'insiste. La capacité d'enseigner le ministère, ce n'est pas d'abord la capacité de faire les miracles, mais c'est la capacité d'expliquer, d'abord de maîtriser les écritures et de les expliquer. Si mon rapport à un pasteur et Bible était, je suis pasteur, mon appel mon tête, tout est abattu sur les lois. Pasteur, déjà, dans l'anda pasteur, nous sommes condamnés Salomon, puis Salomon, Azaki Mabe, parce qu'il y a un peu de temps, il y a un homme, une telle personne, il est mort maîtriser la Bible. Il n'est pas un ministre. Le loso landi ba TV na biso mona. Tozo tinda siko moto tumba ba démon. Est-ce que démon droit mon limo moto ni nango ezik sai. Donc les gens ne maîtrisent pas la parole, les gens ne connaissent pas la parole, ils ne sont pas des ministres. Donc ce sont des courageux qui se sont introduits dans l'œuvre de Dieu pour faire ceci, cela, mais ne sont pas des ministres. Donc un ministre de Dieu, c'est celui qui est préparé. En gros, il faut la préparer. Au cause d'un appel, mais préparation, c'est le donc il y a une différence entre l'appel et puis préparation. C'est deux choses différentes. Comment reconnaître que ce qu'on a un appel, toi, tu as préparé? Moutou a un appel, tu as 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 un appel, tu
Mais nzamba ta bengio, il faut tindo na formation, tindo na préparation. Mutu kwa Paul, nzamba benga yakuta na nzamba na chemin à Damas, mais nzamba tindé pa Ananias pour être préparé. Et ça na kati ya préparation de muta oyeba. Qu'est-ce que l'écriture? Qu'est-ce que l'explication de l'écriture? Muta na ba base, nga yo asoni. Mon pasteur a 1000 membres, 2000 membres. Mais mambo lo banatala pasteur mususu a été à la confusion entre la fin du monde et l'enlèvement. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, nous avons des conséquences, il y a manque de ministère. Donc, nous avons un français, il pense qu'il parle français, c'est ça le ciel. Nous avons un français, nous avons pas anglophone. Nous avons un anglophone, connaître, maîtriser la chose de Dieu. C'est pourquoi nous avons une école, le ministère, tu organiseras. Pour nous former. Ah ouais, ouais. Donc, nous ne sommes pas extra, mais la grâce que le Seigneur nous a faite, tu organiseras une école, un ministère, une conférence, ça, nous avons un yaka, et nous recevra. Et il va bagage et permettre bango ba ki au travail ba sel nzambe na bango pe ba linga otika na biso ba tikali na to sala ngo partout na ba Lubumbashi na sala ngo na Afrique du Sud na sala ngo na Angola na sala ngo to sala ngo pona ko équiper parce que le faire aiguise le faire donc so za li bende okute na li bende muso sebisama mais so za li baya okute na li bende obukana c'est à dire que onyo so ali bende bika li bende so aye iska biso za parce que biso doni mangi to ape ma bende to sebisana très bien parlons un peu de jugement parce que ubisi biso par rapport à jugement hein. Comment l'Église sera jugée? Et puis, quels sont les signes qui nous montrent aujourd'hui que l'enlèvement est au salam au sein de l'Église? 1 Corinthiens chapitre 6, Bible de que ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? L'Église jugera des anges. Écriture, on est à moi, l'Iboma. N'est une Église et jugée par anges. J'insiste que les anges que l'Église va juger, ce sont les anges déchus. L'Église est jugée. Mais un Pierre Bible dit que pour vous le jugement commence dans la maison. L'Église, nous sommes passés de la mort à la vie. Donc parce que le mot mouké révélation mot mouké. Jésus a lobi ce qui nga libaya ya mubeso basalinga boye. Bongo bino banzeta okauka. Nzeta okauka ne bakotsa na moto. C'est nzeta okauka c'est que ça prie pour bakotsa na moto parce que ya onde koni. Donc Jésus nda benga biso banzeta okauka c'est que atta c'est que bosa banzeta fa ki batumba. Mais il y a des états mobiles, des états spéciaux, la montée. Il y a quoi qu'on a jugé. Mais Jésus a ni mal jugé. C'est la croix de Golgotha. C'était tout un jugement. Pour bissot, cela qui dessine un jugement, tous à sous jugé. Donc l'Église, nous sommes passés de la mort à la vie. Le fait que nous avons cru à la parole, le fait que nous avons reçu la sainte doctrine, c'est déjà une grâce que le Seigneur nous a faite. C'est pourquoi l'Église a solo, bâti à la vérité. C'est d'une des trois boy. Oh, mutoa la taramabe, il faut pas battre bongisé ao. Donc, jugement dans l'église de l'eau. Pour quand le trône blanc, le trône du jugement viendra, nous ne serons plus jugés. Dans l'Iban, nous ne comprenons pas bien. C'est-à-dire que nous avons dit que la condamnation, la jugement, la salité, la bonté. Aujourd'hui, le jugement commence dans la maison. La Bible dit ça. C'est-à-dire, nous avons une église, il faut battre l'Israël, ma bénaïe, pour changer, parce que les membres de l'église ont un jugement. Donc, nous avons dit que nous enlèvement, enlèvement, règne millénaire, éternité. Est-ce qu'une personne est à coufissant pour autant pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant le jugement, il sera aussi enlevé? Non, il ne sera pas enlevé. Bato va recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils seront ressuscités lors du jugement dernier. Bah, on sait quoi, pour le jugement, il ne peut pas qu'il y ait en faire les alliés seconde mort. Mais bah, on va recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Bah, tant qu'il y a l'Iloba, bah, on sait quoi, pour l'enlèvement. Quelle église sera enlevée? L'église qui croit à l'enseignement de Jésus-Christ, bah, tout ça, l'église, mais tout le monde, pourquoi qu'il ressemble là, à habiter. Nous insistons sur la connaissance de la parole. Et ça, bah, nous sommes là qui mangent dans le désert, nous sommes là qui mangent dans le désert, nous sommes là qui mangent dans le. Donc, man na désert, c'est un miracle. Comme on a le beau Kwanzam, comme on a le beau mais l'ingo le bâti qui est là. Donc, au côté de l'homme, c'est lui qui connaît la loi et qui respecte la loi. Donc, première chose, il faut avoir connaissance. Il y a la Bible, il y a la Mathéa, et puis il faut avoir la capacité à mettre en pratique. Alors, Moïse avait une doctrine. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a donné aussi une doctrine. Et la doctrine de Christ a été perpétrée par ses apôtres. Il y a l'enseignement des apôtres. Dans le monde, il y a tous ceux qui se disent église, ils font ce qu'ils veulent. Mon ami dit que pasteur a osa oa lingi. Église nae, a osa anda lingi. Soit koti batande le mabuta, batinde nzembo, bayembe liye nzembo. Kilt de célébrité. Soit bando te, a ote a mambo ya lingi. A vérifie même pas que mambo na ote za conforme na biloupa et taliete. Il fait des choses comme il veut. A groupe qui ta mort. Donc il peut faire tous les miracles qu'il veut. Et ça y est. Lisanga bongo,
l'oléate. Lola, ils apprennent à bateau, bah yebi litéya, ils ont la Bible, mais bas on marche sur la blessure. Pourquoi nous disons toujours, mon dimioké église, pasteur m'a coupé la route. C'est que quand il prêche, linga mambo azote, ils apprennent la Bible. Explication, ils apprennent correcte. Soyez monter un pasteur aille quatre femmes, cinq femmes comme l'autre là. Il vient, il vous dit quatre femmes, cinq femmes, il vous ment que je suis. Mais Dieu est bien polygame. Dieu est polygame. Dieu est polygame, l'église aussi est polygame. Massonge, massonge. Na règne mon muto ebi prophétie à comprendre. Dans Malachie Jean Apocalypse 21 22. Les Jérusalem est okita. Comme une épouse. Voilà na règne Jérusalem est okita comme une seule des épouses, une seule épouse, épouse à nani, ya agneau. Si que Jérusalem mon babi ba porte nango, ezan na combo ya 12 tribus à Israël. Ba fondement nango ezan na combo à 12 tribus de l'agneau. Ozomona. Donc 12 tribus à Israël. Na 12 disciples, tous 12 apôtres de l'agneau, va former comme d'épouses, une seule épouse. C'est un exemple de polygamité. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus. Si on a un exemple de polygamité, aussi. On a un menteur, on a un menteur. On a un français qui est comme un menteur. C'est-à-dire qu'on a un diplômé en théologie. Donc la polygamie, c'est un péché. C'est un mensonge. Si on a un exemple de polygamité, aussi. Parce que nous qui sommes. Mais confirmez-nous, confirmez-nous sur le plan. On a la question de la Bible. Oui, oui. 12 apôtres de l'agneau, dans 12 tribus d'Israël, va former une seule épouse. Apocalypse 21, Apocalypse 22. C'est ok. Salomon avait combien de femmes? 1000 femmes. Bible dit 1000 ans égale un jour. Je crois que oui, bien autant la Bible. 1000 ans. Donc, 1000 ans à Salomon, ils ont dit ça un jour. Ok. Abraham avait deux femmes. Vous devez savoir que Abraham a deux femmes. Rappelez-nous, il a deux femmes. D'abord, menteur. Abraham n'avait pas de femme. Abraham avait une seule femme, c'est Sarah. Agar était la concubine d'Abraham qui était plus tard chassée. Je mets quiconque à défaire la sangle, c'est qu'Abraham a balaki. Agar, Abraham a balaki. Agar, Agar a qui servante d'Abraham, parce que dans la culture occidentale, la femme ne partait pas en mariage seule, la femme partait en mariage avec des serviteurs. Jacob, oh Jacob, dans Osée chapitre 2, Israël combattit pour une femme. Jacob a kenda pour n'avoir pas la Rachel. T'attendais lui les apaisé, mais Jacob était parti pour se marier à Rachel. Donc dans la Bible, Marambo Balobarawana est un mensonge. Il y a ce qu'on a nouvelle alliance chez les apôtres. La Bible montre qu'un évêque doit être, 1 Timothée chapitre 5, un évêque doit être marié d'une seule femme. C'est écrit noir sur blanc. On a monté un bien un pasteur, il y a 5 femmes, alors ça a publié dans la TV, c'est un menteur. C'est-à-dire que de telles personnes ne verront pas le Seigneur. Ils ne pourront jamais conduire aussi les peuples de Dieu en l'enlèvement. C'est pourquoi nous nous interpellons les enfants de Dieu. Sali, basakana nangote. Am basakana nangote. Oko bung sambong le loro zoa. Oko bung sanda le loro somba. Mais am na yo soke bungi. Ozong sali soute. C'est-à-dire que nous sommes appelés à faire attention. Na bile ni ni tolia. Parce que bile yo tozolia nde ko définir notre éternité. Où est-ce que nous allons passer notre éternité? L'éternité nous zoyok. Et ça conforme na bile. La blague était. Fanatisme pe lobino et l'autre. C'est-à-dire que moutou foye ba mamba zolanda. Et à solo tu es à solo. Merci l'homme de Dieu. Par rapport à l'avenir, Yambo Cannabis République démocratique du Congo, sur le plan prophétique, est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'il y a un prophète au Azoya sur le plan spirituel pour la libération en Bokao? D'abord, j'aimerais demander à tous les enfants de Dieu et à tous les Congolais, mes frères, mes amis Congolais, pas comprendre le fonctionnement en Zambie par rapport à la nation. Dieu fonctionne comment par rapport voilà. À la nation? Voilà. Oui. Dieu avait choisi une seule nation. Dieu, dans son appréciance, avait choisi une seule nation. Nous avons dit ça avec Adam. Dans le cas d'Adam, il y a une nation qui se bima. Dans la tour de Babel, il y a une langue qui se bima. Mais nous avons dit que la nation qui se langue, il y a une Genèse 12, il y a une Abraham. Sur tel, il y a une langue qui se bima. Abraham. Quand nous avons dit Abraham, il y a une langue Abraham, Abraham a dit Isaac, Isaac a dit Jacob. Nous Jacob a changé comme Israël. Azui yé, yenda comme une nation à Israël, des acquis nation en Zambie. Alors, sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ est mort. Il a formé un deuxième peuple de Dieu. Ce deuxième peuple s'appelle l'Église. Église, c'est un rassemblement à plusieurs nations. C'est ça les deux peuples de Dieu. Israël, dans l'Église. Israël, physique, Penza Boye, première nation en Zambie. Dans l'Église, vous allez un peuple physique, rassemblement à plusieurs nations. Donc, si on a quatre églises, on est congolais et basali. Donc, Mboka Congo, Liboso Nzambeza, nation.
Donc, tout ça, Israël, tout ça, l'Église, tout ça, l'ensemble des nations. L'ensemble des nations, on débarque ça la guerre contre l'agneau. Parce que la guerre d'Armageddon sera la guerre de l'agneau contre toutes les nations de la terre, y compris le Congo. Le Congo est une nation païenne. Congo est une nation qui a un monde 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 Donc, pour la démocratie, parce que la Bible, la démocratie est arrêtée. Alors, la Bible est contre la démocratie. La Bible est contre la démocratie. Nous sommes à la démocratie. Alors, lorsqu'il nous permet, il y a un opponent de la Mabé, ce n'est pas la démocratie. Ce que vous pouvez dire, nous sommes à sanctionner. Soit vous avez dit démocrate, vous avez dit que 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 vous Donc, c'est-à-dire, pour le Congo, je demande aux chrétiens qui sont au Congo, de faire le Congo. La situation Mokili est bonga kate. Moutou a ouzoa ka kimiate. L'homme ne sera jamais satisfait. Aussi longtemps que tu as maï na makila. Tu as la cause à la satisfaite. A ta bozui, pape ya Rome, a komi président Congo, kone le zakak. Mitungi se zakak. Et zakak na ba chomer ba zakak. Mouta ou konsote. Bon, les États-Unis ne vont pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'aussi longtemps, tu as une belle insatisfaction. Mais bon, on a un Nzambe, soit tu as un Nzambe, Nzambe a le pouvoir pour nous tenir à l'abisso, pour nous l'élo, puis pour nous lobby, nous allons hériter le royaume. C'est là où nous aurons notre paix, notre joie parfaite. Donc, mon politique, et ça, la manango, c'est bien. Mais en tout cas, l'on dit, même au sein de l'Église. Qu'on a goûté pire. Je vais donner un exemple. Quel est le membre de l'Église, le prince de l'Église, qui a réussi une activité ou un pouvoir ou a dirigé une institution dans cette Église? Je commence par notre papa, le vieux Mosengo. Il a été président de la Conférence nationale souveraine. Et Simbate, Abbé Ngoye Malumalu, il a été président de la CENI. Et Simbate, Grand frère vient Nangaï, mon papa, que j'aime beaucoup, Ngoye Mulunda. Il a été président de la Commission électorale nationale indépendante. Et Simbate. Mon vieux que j'aime beaucoup, l'évangéliste qui examine Kibila. Il a été député national pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il a produit? L'opprobre, la honte. C'est-à-dire que quand il est ministre, il prêche, c'est très bien. Mais quand il va dans la politique, zéro échec. Nani sous ba o nyoso, ba kota politique. Na kombo a Yezu, ba échoua. Dites-moi, Yezu a échoua. So ba zo échoua, zo la seke, Yezu a ondi ma mambo anate. Le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Le Seigneur l'avait dit devant Pilate. Quand Jésus n'a pas de soldat, papa, Jésus est capable de commander l'armée céleste. Il y a des soldats qui sont romains. Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde. C'est que si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Ce qui est en train de la politique, c'est que tu as un travail. Parce que ça, on a combo en Zambie, c'est que comme président pour changer beaucoup. Parce que Joseph, les gens ne comprennent pas le fonctionnement. Il y a Bible, Joseph a Kenda pour accomplir un dessein de Dieu. Donc, je demande aux chrétiens qui sont au Congo d'espérer en Dieu. Tout le monde va dire, il y a les autres qui comptent sur Gizenga. Donc, ce bouteille est moutou, d'ailleurs, malheureusement, appelé l'eau. Hôtel pour position au monde américain moroté donc mon tout moroté a changé mon kilioyo biso totel nzambe c'est le Seigneur qui va pouvoir pour nous torozala na biso ka satisfaite mais le Seigneur va pouvoir pour nous jusqu'à ce que le royaume vienne d'ailleurs on te benga bana nzambe to cheli ka nzambe to ko le banzambe le Seigneur va donner la paix la guérison la joie et le ciel est pour nous. Très bien. 089 00 60 149 c'est notre numéro. 089 00 60 c'est notre numéro. 089-00-60-149, c'est notre numéro. Aux Alibanda Mboka, aux Australie, aux Belgique, aux Londres, aux Suisse, aux Betty, plus de 143-89-00-60-149. À la fin de l'émission, Moussa Lianzamba a opé sa numéro naé, et au Lobé, la Makambo est allé livrer dans l'activité à l'église. Il s'appelle le pasteur Jétro, naé, et au Koussou la Makambo, ma telle église, l'élo. Montréal, toi, on a combien de minutes, on a 12 ans? 10 et Tigali. Ah, ma question est à moi, Bélé, Moussa Lianzamba. La vraie mission de l'Église, la mission principale et le rôle de l'Église.
Église, Azana, mission principalement, préparer les âmes pour l'accès au royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ viendra régner pendant 1000 ans sur cette terre et après nous allons rentrer à l'éternité. En réalité, à cause du péché, rôle à l'église à retrouver. Au moment où il y a Genèse chapitre 3, quand Adam a péché, vers le soir, la voix de Dieu parcourait les jardins, disait Adam, Adam, où es-tu? C'est ça la mission de l'église. L'homme est perdu. Moutazo vivre une vie à désordre de l'or l'andangai. Azatam suna magie, atambolaramabe, kinumba, mobulu, loenge, milangwa, ou te panzambe. Moussa l'église, Eza, la voix qui parcourt les jardins, qui te cherche, parce que nous sommes au temps du soir. Et bien, soir, Ezaratang, moi, Ezolal. Véritable soleil, Ezarande Jésus. Tant Jésus a botem dans Luc chapitre 1, Balobi, le soleil nous a visités. Donc, c'est que Kokoufa Ezou, c'était le soleil qui dormait. Quand on a dit Kokoufa, Moulili Fouekota. C'est que c'est le temps du soir, la voix est en train de parcourir le monde pour chercher l'homme qui a péché à Zonga na église. À Zonga na makolo ya nzambe. C'est ça la mission de l'église. Maintenant, quand l'homme rentre, d'abord, il vient s'asseoir au pied pour écouter la parole. C'est pourquoi Moutoua est qu'on s'asseoir au pied pour écouter la parole. L'église, il faut appeler ça et appeler l'IPA. Au moins, Jésus, tant qu'on a 20 sabbats, il va l'ité, on appelle ça bon l'IPA. C'est pourquoi, quand l'homme vient, il écoute la parole. Il a aussi besoin de la guérison de la chair, il a aussi besoin de la bénédiction matérielle. C'est pourquoi l'église, en plus, il y a quoi enseigner Batou, le Seigneur a donné des dons. Ce Moutoua, il y a un don de la guérison. Ce Moutoua, il y a un problème, il y a un don de puissance, tout ça, pour s'occuper de Batou. Plus loin, l'église doit aussi même s'organiser. L'église primitive, pour soutenir la veuve, pour soutenir l'orphelin. C'est aussi parmi les missions que l'église doit accomplir. Mais n'oubliez pas la mission principale, c'est rappeler l'homme. Donc ce Moutoua, Nesuko église a bannu prendre soin dans le domaine de jusqu'à l'enlèvement. Voilà la moukousse. Le mot moko de ça a fixé dans quatre églises, le surnaturel. Est-ce que c'est différent de la spiritualité? Bon, c'est le miracle. C'est bien. Dans l'église, on a besoin du miracle parce que l'église est banane un miracle. Oui. Et vous n'allez pas enlevé par miracle. Oui. Christ a beau tamana miracle. Coco l'année miracle. Vinezagi miracle. Donc, hey, non, par rapport au miracle de ça, Maléo dans quatre églises. Sur l'église des réveils. Qui suis-je pour juger les autres? Je ne peux pas juger les autres. Maintenant, aussi, on a Bible. Les miracles, c'est bien, mais le miracle accompagne la parole. Parce que Apocalypse chapitre 13, les diables auront ça, les dragons, le pouvoir d'opérer les miracles. Les faux prophètes auront aussi le pouvoir d'opérer les miracles. C'est que les miracles, c'est où tu n'as pas embêté. Donc, les miracles, c'est la parole. Donc, Moutoazo te à la parole, ce qu'à ça le miracle, nous croyons que ce miracle vient de Dieu. Mais Moutoazo la parole, te à ça le miracle, c'est la magie, c'est simple. Merci. L'homme de Dieu, tout le monde, il va lire, il va les oui, le livre scellé d'Apocalypse. Ouais. Résumé, en résumé. Livre Apocalypse, oui, ensemble, les téléspectateurs, c'est un livre difficile à comprendre, difficile à saisir, parce que c'est une prophétie. Et c'est un livre qui résume toute la Bible. Le Seigneur nous a fait grâce, il y a qu'on comprend, il y a qu'on maîtrise, Malachi, je suis en Akati. Nous avions écrit depuis l'année passée au publié qui livre est intitulé les livres scellés d'Apocalypse et toujours annoncé par Banzambe publication il y a version anglaise dans un français en anglais ouais toujours c'est sili tout publié officiellement dans le mois de juillet donc ils sont déjà disponibles ils ont été comme un Kinespress édition Kinespress signée sur et par Papa Antoine Katoto livre en abîme ou soit vous passez chez nous à l'église la province numéro 45 Tozawana. Alors nous avons besoin de salut sur grâce déjà le 1er mai, nous avons un grand séminaire et pas quand nous enseignons, nous enseignons. C'est-à-dire que tu as un séminaire sur. Il y a tout le la caméra. Ouais. En tout cas, ici, c'est la science des dieux. Parce que l'évangile traite toutes les sciences du monde. Histoire comme ça fait peur aux gens, pasteur. L'évangile est terre droit, est terre économie, est terre médecine. C'est même la stratégie de chef militaire. Parce que ça, on a ma terre. Même aux stratégies, même il y a la guerre. Même les politiciens, il n'y a pas besoin de la guerre. Les commerçants, il n'y a pas besoin de la guerre. C'est que l'évangile traite de tout. Et l'évangile, c'est que vous ne pouvez pas avoir 100 dollars, vous avez 200 dollars. Pour voyager. Parce que vous voyagez, vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas aller. Ce sont comment dirais-je, des matières archaïques. Et nous traitons la science de Dieu, la solution de tous les problèmes des hommes, l'évangile de Christ. Commencement était à parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est par la parole que toutes choses ont été créées. C'est que sous analité, il y a un agnos. Donc, le 1er mai, tu as une activité, tu as un sur les 7 lettres adressées aux églises. Je vais expliquer. Une lettre, c'est une correspondance adressée à une personne. Pasteur, quand ça a été à 7 sauts,
Ah, tu es à polygamie, il y a une cette lettre, au boy polygamie. Non, bon, je n'ai pas de concurrence à faire avec lui. C'est un aîné, qui a beaucoup d'erreurs et qui est ensemble, il a toujours un Zamba Sungaye. Parce qu'on a fait beaucoup de débats avec lui. Ici, nous avons parlé sur les 7 sauts. Il avait vu ça. Comprendre qu'est-ce que les 7 sauts. Donc, nous avons parlé ici et puis nous allons parler sur les 7 lettres adressées aux églises. Pourquoi seulement 7? Pourquoi seulement 7 sauts? Pourquoi seulement 7 églises d'Asie alors qu'il y a plusieurs églises? Et nous allons expliquer, Mamba, 7 anges de l'église. Tu peux expliquer? Parce qu'il va tout seul, Ange Moussou, c'est Abraham, Ange Moussou, c'est Luther King, Ange Moussou, c'est nous allons expliquer. Ange Moussou, c'est Paul, nous allons expliquer qui sont réellement ces anges-là. Et quand on dit sept églises, on n'a pas dit sept âges de l'église, mais on a dit seulement sept églises. Parce que toutes les églises vivent dans un seul âge, dans une seule époque, une année de la grâce. Nous allons expliquer une lettre adressée à une personne, une correspondance privée. C'est que Moutoua, au fond, c'est que Moutoua, Tindeli. Moutoua, comprendre, c'est que destinataire. Et quel est le destinataire de ces lettres? C'est l'Église. Pourquoi c'est toujours expliqué? Chaque ange, ça. D'abord, comment Christ est présent dans chaque Église? Alors, c'est présenté de manière différente. Récompense à chaque Église, na réponse à chaque Église. Dans les premières mains, c'est les 6 mains. Donc, tu as bien dit, nous en avons pourquoi? De 16h à 19h juste, et puis dimanche, na tango, 8h30 à 11h30. Nous invitons le peuple de Dieu, viens en agnosso. Bah, enseignant, bah, grand prédicateur. Donc même les hommes dédiés, bah, invités. Oui, oui, parce que le faire, l'église le fait. Donc nous avons besoin de ça, mais soit petit une révélation. Les arabes pour un petit peuple, ils sont au Kambate. C'est pour l'église quoi. Mais comment est-ce que les autres vont écouter un attendu dans lequel est l'église? Bah, ministre, on a bah quoi, y a pas yoki. Avec la grâce, bah, en haut, bah, on peut au développement d'une manière ou d'une autre pour que l'église soit édifiée. Donc on a bien, bah, on mingue bazara que autant de l'invitation, je saurais pas. Lélo, bah, comment on a mingue d'invitation. Bah, viens en bas, c'est belé. Je saurais pas me déplacer pour nous. Invitation. C'est pourquoi nous faisons des émissions. Donc, au Landanga, on a les gens qui ont signé. Oui, on a les gens qui ont signé. Il y a 14 ans, la prévoyance numéro 45, quartier Kaouka. La commune à Kalamoya, place au Bungate. Un numéro de contact? 09 98 40 52 62. 09 98 40 52 62. Pas tout bas malade, pas bas problème, pas dérangé. Ah, lui, il y a une révélation, pas révélation. Non, la parole, ils ont la capacité. Ils ont le coup de l'évangile dans le Bungate. Aux gens malades, aux gens problème, yaka. Pendant une semaine, la puissance de Dieu sera, je vous assure, aux gens en Noyakite. À part, on a un programme chaque jeudi de 12h à 18h, tout ça, mais là, on a un salaire à 12h à 18h, on va prier. Donc, tout ça, mais là, abondamment, et le Seigneur agit. Tout ça, on vient un peu dans l'ensemble. Donc, nous sommes là, nous appelons tout le monde pour participer à Milouloua. Merci, pasteur. Tout comme Nassouka par rapport à l'émission Alelo, invité principal, Alelo, Zagi, pasteur Jétro, Naye, Tosoli, Makambo, Italie, Église, et puis. Spiritualité, allez-le dans quatre églises de réveil. J'espère que ça a été clair dans ma question. Ceux qui dérangent les espaces commerciaux, oye, au Bengibiso, tu as contact, au répondre sur le plan biblique, au PSAP ma comique. Débat contradictoire, prêt? Ouais, ouais, on a débat, on a débat. Ils ont un évangile, aucun évangile, ils ont un théâtre. C'est les serpents de Moïse qui avalent tous les serpents. Donc nous n'avons pas de problème. Celui qui a. Monique et Marmotte, le bique, qui est venu, on échange. Match amical, c'est mon problème. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez vraiment aimé l'émission, il faut dire merci à notre boss Pichu Wanzila. L'invité principal, c'était le pasteur Jétro. Restez scotché, Simon. Et nous remercions le boss Pichu Wanzila. Nous remercions le coordonnateur Papingina Mahou. Nous remercions le directeur des programmes Trésor Yala. Ceux qui me candent à te faire un mot réalisateur du Saint-Esprit. L'homme dédié, un mot par rapport à l'église à Congo. Te fais un 5 secondes. Et là, on y a un beau yale dans 4 églises à Congo. Et là, on y a un dima. Bino ba homme de Dieu ba sacrificateur bo sala ngo bien bo ke na ngo soli boso. D'abord on encourager ba tout ba linga nzambe ba sala nzambe mais hypocrisie apparence hein ba ba la sacre. Au moins on monte à l'église à 1000 membres mais na katia na ba ndimbara à 5. C'est-à-dire congolais asa hypocrite congolais aventurier dans le domaine de tout. Donc mon amoutou a ebina e bible été t'as la combo mon un révérend bishop maréchal général tout 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 et a ebelote. Donc,
Parce que le ciel est en train de le ciel est en train de faire. Donc, toujours exhorter les membres de l'église. Tout va en arrêter sa parole. Retour à la parole. Tout va en la parole. C'est la parole. La parole est la parole. Donc, bisounios tout vendana. Katia parole, tout ça, oh, parole et lobby, c'est alors que nous verrons Dieu. Mais si tout c'est la influence, tout c'est la mort, tout c'est la richesse, nous ne verrons pas Dieu. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Ciao. Congo Lipanda. Oh, Congo Lipanda. Congo Lipanda. Si tu es pas là, Mouka Congo. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo Lipanda Asali Libango Kongo Lipanda Peningali Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Lipanda.